Genre, là, c'est le dernier recours de mes cheveux. S'ils sont. Oh. La magie de la caméra. On est là, toujours avec le micro, toujours avec la bouillotte dans le short. Vraiment une technique infaillible contre les maux de ventre, bien sûr, et pour un confort maximal. Privilégier une taille haute ainsi qu'une bouillotte de taille raisonnable. Attention à ne pas mettre d'eau bouillante dans votre bouillotte et à ne pas la remplir à plus de 3 quarts de contenance car sinon ça explose. Ça fait des trous dans votre bouillotte, ça peut vous brûler, ça fout de l'eau partout. Voilà, surtout si ça arrive par exemple dans votre lit. Je dis ça au hasard, ça ne m'est jamais arrivé bien sûr. Du coup, ce matin, j'étais prise d'une motivation extrême pour sortir aller avec Louise à la bouquinerie, truc CD machin. C'était trop bien, en plus il fait super beau. Je suis allée avec mon vélo et vraiment, genre 2 secondes haine, genre après avoir démarré, j'étais là, genre ça va être difficile, mais tu vas y aller. Même, je dirais, 2 secondes après mon réveil. En général, mon corps, je me réveille. Mon corps, il attend un petit peu. Et genre 10 minutes après, il y a mon ventre qui commence à faire « Allez, c'est parti, les maux de ventre !» C'est à ce moment-là que je sais qu'il faut que je prenne des trucs en avance. Enfin, dès le matin, genre un Efferalgan, du paracétamol, en l'occurrence. Ou de l'ibuprofène. Moi, je trouve que le paracétamol, ça marche bien. Et ça me permet de limiter plus dans la journée. Parce que sinon, si je n'en prends pas, c'est je ne fais rien. Genre là, c'était clairement ce matin, j'en ai pris un, j'ai pu sortir voir Louise. Si j'avais rien pris, c'était sûr, je ne bougeais pas. Et là, maintenant, je suis mais fatiguée. Je crois d'ailleurs que après ça, je vais aller faire une sieste. Voilà. Mais donc après, je suis rentrée, j'ai mangé. Autre nouveau symptôme, enfin nouveau. Symptômes. Ça fait 2-3 cycles, donc non seulement j'ai mal au sein une dizaine de jours, mais aussi j'ai faim continuellement. Et quand je dis continuellement, c'est vraiment genre je mange, c'est bon, j'ai un petit sentiment d'être rassasié, et 10 minutes après j'ai faim. Donc je me dis, ah, peut-être que j'ai envie, je sais pas, d'un petit dessert, d'un petit truc, un petit machin. Non, en fait, j'ai vraiment faim tout le temps. Et du coup, c'est difficile de gérer. À la fois parce que quand on a, enfin moi aussi quand j'ai mes règles, j'ai des envies de, par exemple, de sucre ou de gras, de choses très satisfaisantes, très confort, et c'est difficile de gérer cette faim continuelle qui est donc une sensation de faim et pas forcément un réel besoin de manger, mais enfin moi j'ai vraiment genre ça fait comme si j'avais faim, et de pas se jeter sur des trucs faciles, rapides à manger, pardon, mais qui sont bah, pas bons, enfin qui vont avoir un impact plus tard sur la façon, enfin la ce dont comment je me sens, parce que bah si je mange trop ça, trop gras, trop sucré ou trop salé, et bah après je me sens pas bien, et en plus de mes symptômes de règles, vraiment ça fait beaucoup, donc j'évite. Là par exemple j'ai mangé bah, les abricots secs, j'ai mangé beaucoup d'abricots secs, et des tartines de trucs de faux fromage de soja, là, ça s'appelle sojami et c'est super bon. C'est pas forcément le truc le plus sain du monde, mais c'est mieux que, je sais pas, des chips ou des gâteaux, ou enfin des trucs comme ça. Voilà. Donc, là, j'ai encore faim alors que j'ai mangé pas mal de trucs. Et après manger, je me suis posée dans le canapé, j'ai regardé 3 vidéos et j'ai continué à jouer à Pharaon, qui est mon. Enfin, c'est une obsession depuis très longtemps. Je suis tendance très obsessionnelle sur la chose, c'est-à-dire j'écoute toujours la même musique, je regarde toujours le même truc. C'est pas si vrai ça, mais et je joue toujours au même jeu, et Pharaon c'est un jeu auquel je joue depuis très longtemps, et là je commence un peu à avoir de la technique et de la tactique pour pouvoir aller au niveau plus compliqué que juste les tutoriels, etc. Donc voilà, je suis à fond dedans, là j'y ai joué pendant genre 1 heure et demie, 2 heures, ça faisait longtemps que j'avais pas joué autant aux jeux vidéo, enfin bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, j'arrête de parler de Pharaon. Je voulais vous parler. En lien avec les règles, les PMS, donc le sujet principal de cette vidéo, des protections que j'utilise. Et du coup, alors, avant, j'avais la cup pendant. J'ai utilisé la cup pendant 2 ans, donc la coupe menstruelle, et ça m'allait, enfin, ça a été assez. Ça, je trouvais ça bien, j'étais habituée, je me suis rapidement habituée, ça me gênait pas, c'était assez pratique, enfin voilà.
ça m'a pas posé de problème, mais par contre, pendant plusieurs cycles, en fait, j'avais trop de contractions et du coup, je sentais que ça poussait un peu sur mes cuves et ça me faisait mal. Et du coup, j'ai décidé d'opter pour une solution externe, ce que je faisais depuis le début. Enfin, j'ai très, très rarement porté de tampon, j'ai dû le faire une ou deux fois. J'ai toujours eu des serviettes et donc là, j'avais commandé à Noël des culottes menstruelles. Que voilà. Donc c'est la marque, bien sûr, j'ai rien noté, je n'ai pas préparé cet épisode. Lunapads. 95% de coton, 5% spandex, coton bio, bien sûr. Rembourrage 100% coton. Tatati-tata. Fait au Canada, c'est ça que je voulais trouver. Donc c'est une marque canadienne, c'est ma maman qui me les a offerts, du coup elle m'a dit qu'elle avait cherché plutôt, enfin qu'elle voulait vraiment se renseigner sur les matériaux qui composaient les culottes plutôt que sur la provenance, mais je suis sûre qu'il y a des marques françaises maintenant qui sont disponibles et qui ont des très bons matériaux. Bref, je mettrai 2-3 noms en barre d'infos. Mais voilà, donc moi en fait j'ai deux culottes comme ça et j'ai des petits pads individuels que je peux accrocher à ma culotte. Je sais pas si vous allez voir. Alors bien sûr, j'ai pris celle qui était tachée. Petite perte blanche sympathique. En fait, il y a des petits élastiques là. Et donc je peux la mettre directement sur la culotte. Et comme ça ne bouge pas. Et en fait, ça me permet non seulement de ne pas avoir besoin d'un nombre de culottes très élevé, parce que c'est assez coûteux, mais de simplement changer ça et de garder la culotte en dessous un peu comme une protection. Et ce qui du coup me permet de durer mes 4 jours de règles où je perds du sang juste en changeant cela. Donc cela, je crois que j'en ai 6 ou 7. Et donc j'en utilise environ entre 2 et 3 par jour. Et je fais une machine au milieu de mon cycle pour pouvoir continuer à les utiliser. Je les mets dans la machine normale hein, avec mes autres vêtements à 30 degrés maximum, bien sûr. Mais voilà, ça, donc je le porte. Enfin, je fais un le matin, un l'après-midi, un la nuit. Et pour la deuxième nuit où je garde la même culotte. Oui, je garde la culotte 2 jours de suite. Un peu dégoûtant, mais non, en fait, on s'en fout. La deuxième nuit, je peux garder le fond de la culotte qui est donc une culotte menstruelle, donc qui peut servir aussi de serviette. Voilà. Et ensuite, donc, quand on enlève ça, on les rince à l'eau froide. Très important. Afin que le sang ne chauffe pas et reste sur le vêtement. Bon, de toute façon, ça c'est noir donc c'est pas très grave, mais enfin, quand même, c'est un petit peu voilà. Donc, on rince ça à l'eau froide jusqu'à ce que tout le sang parte du tissu, on laisse sécher. Après, je mets ça en machine avec mes autres vêtements et voilà. Et vraiment, c'est trop bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc le plus confortable et enfin, j'ai eu aucun souci avec, j'ai pas eu des fuites alors qu'il y a des fois où je perds pas mal de sang. J'ai vraiment. Que des choses positives à dire sur ces culottes que je trouve super, très confortables, vraiment aucun souci. C'est vrai que donc je les ai eues à Noël l'année dernière, Noël 2019, et forcément j'ai pas trop eu l'occasion de voyager en 2020 ou début 2021, et je crois que de toute façon j'ai eu un peu de chance et c'est pas tombé pendant mes règles. Mais voilà, je sais que peut-être pour le voyage, je garde une make-up au cas où en backup, si jamais j'ai besoin. Et je sais que je pique des serviettes jetables chez mes parents pour en mettre dans mon sac pour dépanner soit mes amis ou pour me dépanner moi si jamais j'ai un accident en dehors de mes règles ou quoi. Voilà. C'était mon petit point protection. Si jamais vous cherchez des culottes menstruelles, alors par contre au niveau des prix, c'est vrai que moi donc c'est ma mère qui me les a offertes. Je n'ai aucune idée de combien elle a payé ça. Je pourrais peut-être regarder sur internet, mais c'est vrai que c'est assez conséquent, donc n'hésitez pas. En revanche, enfin ça tient très longtemps et ça dans le temps c'est rentable, mais c'est vrai que c'est un gros investissement. Donc n'hésitez pas à vous le faire offrir ou enfin faire voilà des trucs comme ça. Mais voilà, c'était mon avis sur les culottes menstruelles. Et maintenant, je crois que bah j'ai très envie de faire une sieste. Donc je crois que je vais faire ça.
Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le dernier jour de mes règles. Ça va mieux, j'ai presque plus mal au ventre. Par contre, j'ai eu mal à la tête. Genre, j'ai rien pris ce matin en me disant, mais non, ça va aller, c'est lundi. Et puis vraiment, je me suis assise pour travailler et j'étais là. Wow. Mais bon, j'ai réussi, j'ai tout fini pour travailler. Et là, j'en profite un peu pour faire la dernière partie de ce vlog, je pense. Il est presque 11h et après, je vais rejoindre. Ma copine Isabelle @EligiParks sur les réseaux sociaux que j'ai pas vue depuis 2020, hein, fin 2020, donc ça fait longtemps. Donc je suis très contente. C'est rare que je fasse des choses en semaine car je suis si je travaille ce jour-là, je suis cette personne qui dit insérer tweet qui dit I hate that I am this person who has like an appointment at 4 p.m. and I can't do anything before. Donc voilà, mais je suis très très excitée de faire ça. J'ai très hâte. Du coup, je voulais parler d'un truc parce que j'essaye, enfin je sais pas, je me rends compte qu'en filmant ce vlog que j'ai réussi à quand même avoir une petite routine dans mes journées. C'est un truc que je voulais vraiment réussir à avoir en 2021, notamment parce que en janvier ça allait vraiment pas du tout et j'ai Je me suis dit, j'avais pas encore de suivi psy à l'époque, et je me suis dit, il me faut un truc, une structure pour que je puisse tenir. Ça a l'air vraiment très dramatique dit comme ça, mais c'était ça. Je voulais vraiment avoir une routine très structurée et très rassurante en disant, bah voilà, là maintenant je fais ça, là maintenant je fais ça, pour pas trop me poser de questions. Et je pense que j'ai réussi à faire ça et que c'est devenu beaucoup plus naturel dans ma journée, c'est-à-dire j'ai pas besoin de réfléchir ou de regarder ma fiche pour savoir ce que je dois faire. Mais en même temps, il y a des jours où je me dis c'est vraiment très difficile de faire tel truc, notamment de faire tel sport ou de méditer ou de faire ça ou de faire ci. Et je sais plus quelle vidéo sur YouTube je regardais, je crois que c'était sur la chaîne de Gitte-Marie Johansson, et j'avais eu un commentaire. En fait, je sais même plus si c'était sur sa chaîne. Enfin bref, c'est pas très intéressant. J'avais vu un commentaire YouTube, très random comme source, qui parlait de justement, en fait, toute la culture de genre daily routine, c'était basé sur le fait que les hommes cis ont fait un cycle hormonal de 24 heures. Contrairement aux femmes cis, je mets des guillemets partout, hein. Aux personnes qui ont leurs règles, qui ont un cycle de 28 jours. Et du coup, c'est très difficile quand vous avez un cycle hormonal de 28 jours d'avoir une routine journalière régulière et toujours pareille, puisque en fait, il y a des jours où vous n'allez pas vous sentir pareil en fonction de votre cycle hormonal. Encore une fois, la culture et tout le reste sont basés sur les hommes cis, quelle surprise. Et vraiment, c'était juste un commentaire lancé comme ça. Il n'y avait rien derrière, mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a des jours où je me sens vraiment pas capable de faire ça. Et c'est pas grave, en fait. Je suis pas obligée d'avoir une routine journalière. Et il faut que je m'écoute et que je fasse attention à peut-être quel stade j'en suis dans mon cycle hormonal, vu que en plus moi c'est très marqué à cause de mon syndrome des ovaires polykystiques. Je sais pas, genre, oh là j'ai un petit mot de tête ou machin truc. C'est vraiment, il y a des jours je suis complètement démotivée. Et du coup, j'ai fait des petites recherches, enfin des petites recherches, ça m'a pris 5 minutes. Surtout, je me suis rappelée de cette vidéo, je crois, de Glamour sur YouTube que j'avais vue, qui résume les règles en 2 minutes. Et c'était assez résumé, hein, ça dure 2 minutes, mais c'était vraiment un truc pour montrer un petit peu quelles hormones montent ou descendent, c'est très simplifié, et quel impact ça a sur notre morale et sur notre corps, et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Est-ce que par exemple, vaut mieux faire du sport? Est-ce que vaut mieux se reposer? Est-ce qu'il vaut mieux, c'est le moment de prendre des décisions, etc. Et du coup, je suis tombée sur une pratique qui s'appelle le cycle sensing, je ne sais plus comment on le dit, qui en fait, oui, voilà, se base sur les étapes du cycle menstruel, tout simplement. Et alors, c'est un truc très connoté, genre naturopathie, faut genre se remettre en harmonie avec notre corps et nos hormones après avoir arrêté la pilule. Voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Je ne peux pas arrêter la pilule et de toute façon, je ne suis pas détachée de mes hormones. Genre, je sens très bien leur impact, très très bien, même sous pilule. Et du coup, mais par contre, je pense que suivre, commencer, enfin s'intéresser à quel impact nos hormones ont sur notre cycle, ça peut aider tout simplement à se créer une routine qui n'est pas totalement fixe. Voilà. Et donc, il y a quatre
période dans le cycle de 28 jours. Et il y a les règles du premier au septième jour. Ensuite, il y a le... je vais reprendre mes notes. Il y a l'étape folliculaire du 8e au 13e jour. Alors ça, c'est à peu près, hein. On se connaît. Les 28 jours, là, c'est pas tout le monde. Ensuite, il y a le cycle ovulatoire du 14e au 21e jour et le cycle lutéal du 22e au 28e jour. Et ça recommence, et ça recommence. Et en fait, chaque étape est liée à des baisses ou des montées d'hormones et donc a un impact sur notre corps et des choses qui sont plus logiques de faire. Par exemple, pendant nos règles, on n'est pas super super en forme. Du coup, c'est plutôt normal de se reposer ou de faire du sport pas très intense, genre marcher ou faire du yoga. Ensuite, dans le truc folliculaire, c'est genre... nos hormones remontent, du coup on est un peu plus motivé, on a un peu plus d'énergie, donc on peut voilà, se relancer un petit peu. Ensuite, pendant juste avant l'ovulation, c'est genre le moment où on sent de ouf. J'aime bien parce que dans les articles, ils sont là genre « Ouais, your skin is glowing, you're good ahead, day, you're sexy » et tout. Et moi, je suis là genre « Est-ce qu'on est obligé de définir ça par rapport à notre attraction, par rapport à d'autres personnes ?» Enfin bref. Donc juste vous êtes en forme, et donc là on peut faire du sport un petit peu plus intense, etc. Et ensuite il y a le stade lutéal après l'ovulation, où l'utérus dit « Ah non, 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 moi je garde pas ça hein. » Et du coup ça redescend, et donc là on peut voilà, faire des trucs un peu plus calmes pour ensuite aller sur les règles, et voilà, c'est repartir, etc. Et se baser là-dessus, et ne pas avoir une routine très stricte, mais avoir plutôt des options. Par exemple, bon, il y a des choses basiques que je sais qu'il faut que je fasse tous les jours. Par exemple, prendre mes trucs pour mes allergies, enfin prendre mes médicaments, mon truc pour me faire désensibiliser des allergies, boire un verre d'eau le matin, ça va, je peux le faire tous les jours. En revanche, faire du sport plus ou moins longtemps, quel type de sport je peux faire, ou est-ce que faire de la méditation plus ou moins longtemps, il y a des jours j'arrive à en faire 10 minutes, il y a des jours j'ai 3 minutes, c'est déjà énorme. Est-ce que je vais réussir à lire aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à créer quelque chose? Est-ce que je vais réussir à chercher un truc? Est-ce que je vais réussir à planifier des projets? Est-ce que je vais réussir à appeler quelqu'un ou genre sociabiliser aujourd'hui? Tout ça, ça va dépendre de mon état qui est très grandement déterminé par mes hormones, malheureusement. Malheureusement, c'est juste, c'est comme ça en fait, c'est un fait. Et donc, voilà. Je sais pas où j'en viens avec ça, c'était juste genre cette réalisation que, en fait, oui, le cycle, les trucs de genre daily routine, morning routine, machin truc, c'est pas adapté à tout le monde. C'est un truc assez évident, mais surtout c'est basé sur un cycle masculin de 24 heures et... Bonjour, c'est Eric du montage, vous m'excuserez car j'ai un rhume, du coup ma voix sera un petit peu... et mon voisin du dessus fait des travaux. Je voulais un petit peu apporter des détails par rapport à cette partie car c'est complètement confus et j'ai l'impression qu'on ne comprend rien à ce que je raconte. Mais en gros, ma découverte que le cycle hormonal masculin n'est pas tout à fait complète parce que certes il y a un cycle de 24 heures mais il y a aussi des cycles plus complexes. Et en fait, en écoutant les épisodes de podcast de la série documentaire sur France Culture sur la ménopause, il y a un épisode qui parle de l'andropause, qui serait l'équivalent masculin, encore une fois avec des guillemets, et qui parle donc des hormones masculines, encore une fois, des guillemets à tout ça. Et c'est très intéressant de noter en fait les comparaisons faites quant la considération des hormones pour les hommes cis ou pour les femmes cis, c'est-à-dire qu'on va souvent ramener les hormones comme étant un facteur très important dans la vie des femmes et pas tant dans la vie des hommes, cis, guillemets, tout ça, vous avez compris. Et je me permets de vous mettre un petit extrait audio de cet épisode que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Voilà, profitez, écoutez pas trop tout mon rambling sur la morning routine, je sais pas quoi. Enfin bref, si vous voulez écouter, allez-y, j'arrête cet audio. Voilà, c'est bon, t'as fini, merci, on peut continuer. Les hommes ont des cycles comme tous les êtres humains, on est très connectés en fait avec ce qui est notre environnement, donc à la nature. Et donc en effet, les cycles de testostérone, les pulses que nous envoie l'hypothalamus sont contingentés par les saisons et par aussi la journée. La testostérone, en fait, elle a un double cycle, un cycle circadien, donc on a plus de testostérone le matin, et circannuel. Il y a plus de testo en automne. Puis au niveau du secteur reproductif, il y a aussi des cycles. Il y a plein de cycles, sauf qu'ils ne sautent pas aux yeux. Et par exemple, s'il y a un événement stressant, le cycle s'écroule.
on pourrait attribuer énormément de variations d'humeur aux hommes en fonction de leur production d'hormones. Et personne ne le fait jamais. Élise Thiébaud, autrice. On dit sans cesse à une femme qui s'exprime avec vigueur ou qui est de mauvaise humeur, « Ah dis donc, t'aurais pas tes ragnagna ». Mais quand un homme est en colère, personne ne songerait à lui dire « Dis donc, tu serais pas en train d'avoir un petit pic de testostérone pour fabriquer des spermatozoïdes ». Or, il y a des études qui ont cherché à démontrer que effectivement, les productions hormonales des hommes avaient une implication ou des conséquences sur leur humeur qui étaient extrêmement importantes. Moi, je ne suis pas certaine que réduire le comportement d'un individu à ses hormones soit pertinent. Ce que je note seulement, c'est que ça, par contre, on le fait pour les femmes et on ne le fait jamais pour les hommes. Je ne sais pas où je vais avec ça. Je suis perdue. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Je crois que c'était tout, hein. Bref, je peux mettre les articles que j'ai trouvés vite fait sur le cycle fixing. Je conseille de prendre tout ça avec des pincettes parce que c'est aussi utilisé pour se reconnecter avec ses hormones ou relancer sa fertilité, enfin avoir des enfants, des trucs comme ça, des choses qui ne correspondent pas à tout le monde. Donc lisez, prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui vous sert, prenez ce qui vous est utile voilà, faites votre petite soupe avec ça. Moi personnellement, la soupe que je vais faire avec, c'est en fait il faut être flexible avec soi-même et pas juste vouloir faire la même chose tous les jours. Ce n'est pas utile, ce n'est pas réalistique. Réalistique. Voilà. Donc là, il me reste une demi-heure avant de devoir partir. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Ensuite, je vais voir Isabelle. Ensuite, je vais travailler. Et ce sera la fin de ce vlog. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé. Je ne sais pas si c'était intéressant. Et là, je ne suis même pas en train de filmer, en fait. Eh ben écoutez, je vais juste, vu que j'ai enregistré sur 10 minutes, je ne sais pas, je vous mettrai des images, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que c'était bien. À bientôt.